Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce espace là. Nous portons un update important pour encore qui concerne tout le monde qui a un projet pour venir vivre par rapport aux États-Unis. Donald Trump fait que ce prince a été un executive order vendredi qui se passe là. En fait, pas oublier, avant que nous avançons, si vous-même, c'est la première fois que vous montez par rapport au site là, dans l'espace ça, il y a un bouton rouge en bas, subscribe, avant d'aller, pèsez-le pour capable de connecter ou après, cloche là tout, ou pèsez-le comme ça, ou assurez que toute information qui est sortie au courant. Qui ça lié? Eh bien, Donald Trump sorti un executive order, mais ça le dit, son bagage tête chargé. Mais il m'a dit pour tout le monde qui vit aux États-Unis, qu'on est là, faut montrer à clair, est-ce qu'on a bien comme pour capable payer assurance santé? Yon l'autre charge, yon l'autre fado, yon l'autre difficulté que le mettait encore pour capable entrer par bord ici aux États-Unis. Et nous rappelons pour tout le monde que déjà, t'es déjà gagné une notion de public charge qui supposait entrer dans le mois d'octobre là. Plus précisément, c'est dans 9 jours, 15 octobre. T'es qu'on bagarre les public charge qui voulait dire qu'il y a un rapport à ou même qui n'a pas payé déjà ce qu'on utilise Medicaid ou bien food stamp. Difficulté que ou bien doit pas gagner une résidence. Mais maintenant, ça vini là, qui ça lié? Li concerne spécifiquement assurance santé. Et mais ça le dit. Li adresse là tout le monde. Il dit, si vous avez madame ou Haïti petit, tout le monde qui veut entrer famille ou pas bon ici. Kounye là, moun sa va gagner pour le prouver. Est-ce que dans l'espace de 30 jours que la aux États-Unis, conditions réunies, li gen moyen pour le capable payer assurance santé? Parce que suivant Donald Trump, les moun yo vini ici, c'est presque c'est comme taxe américaine qui paye assurance santé pour yo. Maintenant, décision son décision tête chargée parce que vraiment flou. Faut dire pour qu'on ait une forme, nouvelle forme que moun nan pral foul pour le montrer et sous cause bagay assurance santé. Ça, parce que moun nan sa Haïti lié. En fait, bagay la vin vraiment flou. Est-ce que kounye la, son assurance santé moun nan pral obligé gen en Haïti? Bon, c'est vraiment tête chargée bagay ça. Et, yo parle de, qui j'en moun nan pral prouve kounye la, que la capable gen moyen pour le payer assurance santé dans l'espace de 30 jours? Parce que le fait kap vin non pays, li beaucoup gen travail. Son bagay tête chargée. Et on gen impression, monsieur fait ça, sous une base politique pure et simple. Parce que le connaît que grand ensemble de démocrates dans campagne qui dit que même lorsque moun n'a pas gen papier n'a pas l'assurance, parce que l'on parle d'assurance santé, nous va parler de manger, nous va parler de rad, n'a pas parler de différence qui gagne entre la vie et clan en la mort, moun qui malade. OK, donc c'est un bagage tête chargé. Et monsieur dit décision ça le prend, il supposé entrer en application d'ici le 5 novembre. Ça veut dire que qui ça, il va un petit temps pour moun yo ta fè di réflexion sou yo. Parce que l'on fè yo ton bagay comme ça, ou ta supposé quitter l'on baron, genre, en termes de procédure, ou baron 60 jours, pour moun yo ta fè de réflexion, modification. Non, on n'a pas la même officier ou pral nan problème. Qui yon pral appliquer? Qui guide qui yon pral gen? Elle dit que son décision, monsieur, prend purement politique. Parce que nous connaissons que, yo fait, monsieur fait presque tout 4 ans à Goumen pour le résultat, mettez de Obama qui là, tel va arriver, mettez li. Bataille pour Eventurance, il va arriver et mettez ba Obama qui là. Tout gonde ba sous cause Eventurance. Je ne yon dit à l'Isionic propre 1000 bons executive order. Donc, li dit qu'on est là, eh bien, tout le monde qui a entré dans le pays, ya. Nous voulons clarifier pour tout le monde. Décision ça, il va concerner les gens qui sont sous asile. Il va concerner les gens qui sont sous temporary protected status. Li pa konsa tout moun ki gen yon, kèm ta di sa, moun ka rentre nan peyi a, ki gen yon visa visiteur temporaire, d'ailleurs normalement konnen te visa visiteur temporaire, ou pa kapab, kèm ta di sa, ou pa éligible normalement, pou genyen et health insurance, vous comprenez? Et, à moins que vous te kapon ba privé, li pa konsa, même si tout concerné, moun ki kap vin ici, sa n'est le immigrant visa, ça veut dire, soit entre un frère, un soeur, maman, papa, petit. Donc, en guise de tout radote que M. Tabal parle, public charge, c'est un des choses qu'il pourra sortir. Qui se pourrait sortir sous 15 octobre. Là, bien que bon juge California qui dit, nous mettons posé, il y a un peu de chance pour bloquer bah, ça avant l'entrée 15 octobre, dans 9 jours comme ça. Mais bon, il y a le plus jeudi, il y a executive order, qu'on est là, rapide encore le 10, 5 novembre, et un bon garanti officiel pour le choc, parce qu'il va être difficile. Qui j'en koun yon pral prouve que, parce que di moun fòl prouve que, d'ici nan espace de 30 jours, que le gen se moyen pou le payer insurance. Tendèman yon pral gade, est-ce que si moun sa malade, bon, mais ça n'a pas dit, logique, si moun nan malade, peut-être yon pral mande pou le gen plus kop, yon moun ki ta maladif,
OK? Yo va demander pour gagner plus comme et pour qu'a prouver que la PF eventually et on va être chargé. OK, ça sorti là. Problème pour immigrant mais problème tout pour officier. Ce qui ça yo va baser qu'on est là pour yo dire que moun nan et bien moun ça soit la capable ou bien elle pas capable payer eventually dans l'espace de 30 jours que la aux États-Unis. Hein? Donc, il y a une restriction en plus que Donald Trump voulait mettre sous cause immigrant. Bon, monsieur, si vous êtes capable, il a même dit bon, puis il y a immigrant qui est même dans le pays. Hein? Si vous êtes capable de faire ça, si la loi te permet, il fait ça. Donc, immigrant, il faut nous connaître là. Nous même quand notre famille nous en Haïti, à partir de 5 novembre, d'après Donald Trump, il faut être capable de démontrer à clair que dans l'espace de 30 jours qu'il rentre dans le pays, qui est capable d'offrir coverage pour dépenses médicales. Donald Trump dit, décision ça, c'est pour être capable de protéger healthcare bénéfice pour Américains, pour citizens. Parce qu'il dit que les immigrants qui rentrent dans le pays, qui n'ont pas d'assurance, ils ont un fardeau pour l'hôpital, pour le docteur. Donc c'est comme ça il réduit. Maintenant, quand tu pas ça tête chargée, c'est que nous pensons que est-ce que Donald Trump pas un conseiller? D'après la loi, on voulait reprendre pour tout le monde. Il y a un monde qui fait entrer par bon ici aux États-Unis avec nous comme ça ou pas gain droit à public assistance, il écrit déjà pas avant 5 ans. Ça monsieur a cherché faire. La loi déjà dit, ça veut dire que y a un monde qui fait rentrer pas bon ici. Ou pas de droit à public assistance pas avant de 5 ans qu'on fait dans le pays là, non. Ça prévoit déjà. Est-ce que c'est pour le fond show off pour montrer moun kali dans même idée avec comme quoi immigrant yo c'est exploité a bien exploité nous ou comprendre pas venir rien c'est comme nous a bien prend. Parce que c'est ça l'idée. Immigrant yo c'est bien pas nous a bien prend. Alors que donner montrer que immigrants, c'est contribuer à faire l'économie en bal plus booster, c'est des gens qui travaillent dur, ils ont tout vieux travail, à payer taxes. Et l'histoire pays, elle est basée sur immigrants. C'est des gens qui viennent pauvres, qui sont en Europe, ils ont aidé à la création de richesses. C'est valeur pays, là on parle de American Dream, que je dois venir me bagarrer en rien, que depuis que je décide pour me travailler, dit bataille, je suis capable de vivre loin. Voilà. Ça n'est pas l'essence et leur parler des États-Unis, dit American Dream. Je dis à Donald Trump avec Zamio, vous montrer que American Dream, non, eh bien, c'est des séries de monde sous gain 1 million déjà, ou bien sous son entrepreneur, ou bien doctorat, ou bien maîtrise, ou déjà arrivé, c'est monde ça a besoin. Simplement, comme quoi on a besoin de travailleurs, on qui disposé, qui veut bataille, pour construire, qui veut construire la vie, ou bien doit. Parce que l'un prend famille, ça te vini, yo goumen. Bien là dans le champ, yo bataille, yo mette petit yo, yo réalise rêve yo, yo décide de travailler. C'est ça rêve américain. Je ne le dis à nous, Donald Trump, dans toute décision, c'est mettre des restrictions. Mettre des restrictions pour que les immigrants ne pas qu'à rentrer dans le pays. Et nous, que vendredi à la, yon dans la restriction qu'on y est là, c'est que le rapport au monde qu'on y est là, officier après poser la question, est-ce que la capable de payer sa n'arrivée assurance santé à partir de 5 novembre? Donc, il y a une barrière en plus. Une barrière en plus. Et Donald Trump qui prend la décision, il dit que le fait que tu aies un débat, tout démocrate te dit oui, il y a une assurance santé, même lorsque les gens n'ont pas de papier. Ça veut dire que son bagage, il prend pour faire, ouais, pour montrer qu'il est différent avec l'autre monde. OK? C'est qui parle, il y a une analyse, et on demande qui est qui bal conseil ça. Tel est le nom, il y a une loi qui dit que lorsqu'on migrant fait rentrer dans le pays, il n'y a pas de droit avec assistance publique. Hein? C'est ça la loi dit. Donc, pas de nécessité qu'on y est là pour demander mon nom et pour la prouver qu'on y a que la capé assurance. Nous charge en plus. Nous un problème en plus. Et ça qui vient gagner, c'est que nous même dès que la loi ça, monsieur Brun, monsieur dit. Obama qui est pas la donne, ça veut dire qui ça? Ça veut dire immigrant qui a venu, s'il a prouvé que le cap est Obama qui ça va suffire.
faut qu'on prouve qu'il a payé une assurance santé privée ou bien à travers travail. Bon, pour ça, probablement, qui en va dire. Moun ka rentre, il faut qu'on montre que, et bien, là, si la rentre Marie, que à travers travail, il y a moyen que la payé pour que la payé pour immigrant. Parce que c'est flou jusqu'à présent. Ou bien, c'est immigrant avec cobre que le gagne qui va make sense. Parce qu'il beaucoup de travail. Donc, mais problème qui gagne dans le moment où on a parlé à mes amis, Donald Trump pour le problème encore. Réellement, on va venir nous juger, il doit être bloqué avant novembre. Là. Puisque le 17-15 octobre, la grande juge California qui dit vraisemblablement, il va bloquer cause public sur ça. Donc, le 16 octobre, Napton, justement, il y a un autre problème encore. Chaque jour, il va aller venir dormir, il va aller plus venir, il prend une décision, il va besoin qu'on ait pour entrer en application. Donc, voilà. Je vais vous donner un update à vous parce que vous même fort au courant, puisque sous gain d'intention entre vous, vous connaissez qui ça prend le gain. De toute façon, on a suivi le dossier ça. Pour nous, est-ce que au niveau de USA, est-ce qu'il précise que vous le mettre sous cause ça? Cause que vous là, en plus de ça, vous avez intention, il faut que vous là, il faut montrer que la campé, health insurance, assurance santé. Voilà. Donc, c'était mon update. Réfléchissez parce que nous, c'est l'unique espace qui baille des informations pertinentes. Update. Qu'il y ait surtout à l'immigration, mais nous avons toutes les informations qu'il y a à l'actualité, ça a passé à Haïti et surtout aux États-Unis. Portez-nous bien, n'allez-nous encore.